bonjour à tous. Donc il y aura trois intervenants dans cette soirée. Nous avons entendu deux hier, donc Ephraim Herrera et Uri Cherki. Et puis nous avons donc le Rav Menachem Ackermann qui s'est joint à nous pour cette deuxième soirée sur les engendrements selon Manitou. On va d'abord entendre donc le Rav Uri Cherki, puis Ephraim Herrera. Et enfin, pour une conférence peut-être un peu plus longue, Menachem Ackermann, puisqu'on ne vous a pas entendu hier. Alors, le thème, c'est toujours les engendrements, avec donc des conférences qui ont pour thème, pour Menachem Ackermann, on parlera de Hever, le premier des Hébreux. Vous avez donc à cette occasion des textes de référence, avec des références, et aussi un graphique peut-être difficile à comprendre, mais enfin, qui va expliquer, sans doute qui va être expliqué par le Rav tout à l'heure. Ensuite, on entendra donc Ephraim Herrera et d'abord le Rav Cherki avec ce thème, la foi d'Abraham, croire aux promesses. Alors, pendant qu'on a fait les interviews tout à l'heure pour le site internet, que vous verrez, j'espère, bientôt quand le site sera lancé, il y avait cette phrase, cette citation, on a commenté, je crois, avec le Rav Ackermann. Abraham se connaît en sortant d'Ur Kasdim comme étant la fin d'un cycle de civilisation. Et c'est à lui qu'est indiquée la promesse de la fécondité pour l'avenir. Alors, c'est difficile à intégrer. Alors, je crois peut-être que ça fait écho à ce thème, Rav Cherki, la foi d'Abraham, croire aux promesses. Je vous laisse tout de suite la parole pour votre première intervention. Shalom et bonsoir. Et merci à vous tous d'être venus, malgré les difficultés de déplacement. Le thème qui m'a été proposé, la foi d'Abraham, est un thème problématique dans sa résonance hébraïque. Vous savez que quand on parle de foi en Occident, ça résonne tout de suite autrement que chez nous. Chez nous, on parle de émouna. Émouna signifie plus précisément fidélité. L'idée de foi implique ce qu'en a fait la civilisation chrétienne. J'entends par là que un des fondements, un des présupposés de toute la tradition évangélique, c'est que c'est la foi qui sauve. Expression évangélique bien connue. La foi à l'exclusion des actes. Les actes ne sauvent pas, c'est la foi qui sauve. Ça ne veut pas dire, comme on a l'habitude de fustiger le christianisme, que les actes n'ont pas de sens. Non, les actes sont très importants pour le christianisme. Il y a une morale chrétienne qui est sincère, si c'était nécessaire de le préciser. Et cette morale chrétienne implique que tout homme doit se comporter en fonction de certaines valeurs. Mais ce n'est pas par cela qu'il est sauvé. Sauvé de quoi ? Sauvé de la damnation éternelle, de l'enfer. Il y a un présupposé, c'est que tout homme est né coupable. Là, il y a un divorce avec la tradition rabbinique et hébraïque dans son ensemble. Et en tout cas, quand on parle donc de foi, étant donné que l'homme est fondamentalement pécheur, il est donc condamné à la perdition éternelle, à moins d'être sauvé. Et il faut pour cela être sauvé par la foi. Et pourquoi pas par les actes ? Eh bien, ce qu'a affirmé le fondateur du christianisme, j'entends par là Paul, l'acte, ce qu'on appelle en hébreu la mitzvah, le commandement, implique l'éventualité de la transgression. En hébreu, avera. L'éventualité de la transgression est terrible. Parce que si, non seulement je suis pécheur par nature, mais en plus de ça, je transgresse le commandement express de Dieu, je suis profondément coupable. Donc, plus il y a de commandements, plus il y a d'éventualité de chute. On peut dire donc que le commandement, la mitzvah, est un piège. Et il y en a traditionnellement 613, donc il y a 613 pièges qui peuvent vous envoyer en enfer. Et c'est dit en toutes lettres, d'ailleurs, dans les évangiles, que Jésus nous a sauvés de la malédiction de la loi. La chose est bien claire, la malédiction de la loi. Par rapport à cela, il y a un enseignement du Talmud qui, d'après le Maharal de Prague, est en réponse directe avec cette affirmation de Paul, le paulinisme,
c'est l'enseignement de Rabbi Hanania ben Akashia. Rabbi Hanania ben Akashia disait, et ne faites pas le kaddish, je vous prie, « Ratsa akadosh baruch hu lezakot et Israël ». Le Saint béni soit-il a voulu donner du mérite à Israël. « Lefichar irba lahem Torah ou mitzvot » et c'est pour cela qu'il leur a donné abondance de Torah et de commandements. Et bon, alors, il y a tout un sujet. Alors, comment est-ce que l'abondance de commandements, c'est une abondance d'occasion? Et alors, qu'est-ce qu'on fait si on a péché? Bon, vous savez que la réponse classique du judaïsme, si on a péché, ben on fait teshuva, tout simplement. Et la teshuva, c'est efficace. Vous savez, Manitou avait l'habitude de dire que quelqu'un, par exemple, qui a essayé de se suicider, mais qui s'est raté, va voir le rabbin et lui dit « Monsieur le rabbin, je me suis pendu ». Ben, il lui dit « Repends-toi ». Et donc, une solution, il y a un remède au péché. Et donc, en fait, on peut dire que le point de départ de la mentalité chrétienne a été justement le refus, enfin, le manque de confiance en l'efficacité de la teshuva. C'est-à-dire, si la teshuva était véritablement efficace, il n'y a pas à craindre le péché. On peut réparer. Et donc, la proposition qui a été faite, enfin, la transformation qui a été faite par le paulinisme, c'était de remplacer l'acte par la foi. La foi, c'est plus facile, c'est quelque chose dont on peut relativement facilement s'acquitter. Et donc, le canal qui va relier la créature à son créateur, ça sera la foi. Et par contre, dans la Torah, ben, de manière générale, il n'y a pas ce qu'on appelle de condamnation à la perdition parce qu'on n'a pas eu la foi. Il y a un texte surprenant dans la Mishnah de Sanhedrin qui nous dit qu'il y a ceux qui n'ont pas part à la vie du monde futur. Et alors on est très surpris parce qu'il s'agit là-bas de ceux qui n'ont pas la foi en certaines choses, en la résurrection des morts, en la révélation de la Torah, en l'existence de Dieu. Et alors la Mishnah nous dit oui, ben, ils n'ont pas part au monde à venir. Le Talmud s'insurge immédiatement et dit « Mais enfin, Kolkar Lama, à ce point, mais pourquoi ?» Quelle est la signification de cette interrogation du Talmud? Ben, le Talmud se dit « On n'a jamais entendu dire que ça serait la foi ou absence de foi qui condamnerait l'homme. » Et donc, le Talmud donne sa réponse. Nous n'allons pas l'étudier. Simplement, je voulais rappeler que dans la sensibilité talmudique, il est évident que l'homme est jugé en fonction de ses actes et accessoirement par sa foi. Or, il y a un verset concernant Abraham dans le livre de Bereshit, au chapitre 15, au verset 6. Je vais vous le dire en hébreu parce que la traduction est difficile. En hébreu, c'est comme ça. « Vehemin bashem » Vayarchevehalo tzedaka. Il crut en Dieu et il lui considéra cela comme une tzedaka. À dessein, je n'ai pas traduit le dernier mot. Tout d'abord parce qu'il y a un problème. Qui est le sujet? Qui est l'objet? Et il lui considéra cela. Qui c'est qui a considéré pour qui? Est-ce que c'est Dieu qui a considéré pour Abraham ou est-ce que c'est Abraham qui a considéré pour Dieu? Et quel que soit le sujet ou l'objet, il lui a considéré cela comme une tzedaka. Alors, que veut dire le mot tzedaka? Le mot tzedaka en hébreu aussi est ambivalent. Il a deux significations opposées. En hébreu, le mot tzedaka signifie charité. Il signifie mérite. Tout cela dépend du contexte. Par exemple, quand la Torah dit « Ulcha tiyeh tzedaka », tu auras pour toi un mérite. Par contre, quand on donne à quelqu'un une somme d'argent parce qu'il en a besoin, on fait de la tzedaka, c'est une charité. Et donc, alors on peut comprendre ça de deux manières. Rashi dit que le mot tzedaka signifie ici le mérite. Ve'emin bashem va'yarcheve alo tzedaka. Et il crut en Dieu, et Dieu considéra pour cela à Abraham comme un mérite. Alors vous avez vu que si on prend le texte littéralement ce que dit Rashi, c'est exactement le contraire de ce que je vous ai dit depuis le début de la conférence. C'est-à-dire, Dieu a considéré qu'Abraham avait un mérite puisqu'il avait la foi. Nachmanide, là je reprends en fait des thèmes de Manitou, c'est pas des nouveautés. Nachmanide, lui, n'est pas du tout d'accord avec Rashi et il l'attaque violemment sans dire pourquoi. On comprend pourquoi il ne dit pas pourquoi, parce qu'en fait il accuse Rashi d'être christianisant.
Il dit, mais enfin, ça veut dire quoi qu'Abraham a un mérite d'avoir la foi? Dieu lui a parlé 2 secondes avant. Si Dieu vous parle, vous avez un mérite à le croire? C'est évident. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un de bonne foi qui vous parle, ben vous le croyez. Si c'est le créateur du monde, à plus forte raison. Donc, il n'y a pas de raison qu'Abraham soit méritant d'avoir eu la foi, dit le Ramban. Et donc, le Ramban, Armanide, explique, en fait, c'est tout à fait le contraire. C'est Abraham qui a cru en la promesse de Dieu, et ça, il a considéré que c'était un acte de charité. Vayarcheve à l'eau, c'est Abraham qui a considéré que Dieu lui faisait de la charité et pas un mérite. Bon, le problème est de savoir qui a raison. Donc vous comprenez que ce texte est ambigu, et on se demande si c'est Rashi qui a raison ou si c'est le Ramban qui a raison. Bon, classiquement, et ça c'est une tendance qu'on retrouvait souvent chez Manitou, mais en vérité il avait raison, c'est que c'est Rashi qui a toujours raison, ou presque. Mais simplement il faut savoir lire le texte en hébreu. Croire en Dieu, si ce n'est pas, disons, une option philosophique, vous savez ce que c'est que la foi en français, c'est-à-dire admettre quelque chose qui ne peut pas être prouvé, quelque chose dont on n'a pas l'expérience. C'est une forme de folie, en fait, la foi. Ça veut dire, bon, j'y crois, comme ça, ça marche. Peut-être que si je mets une amulette ou la photo d'un saint, ou je ne sais pas, ça va marcher. Alors, j'ai la foi. Alors, mais en fait, ce que disait Manitou, c'est qu'il faut lire le texte en hébreu. Et là, c'est très différent. On voit qu'Abraham a cru en Hachem, Yudke Vavke, le tétragramme, et il y a un mérite particulier à croire en Hachem parce que ça contredit la foi en Elohim. Elohim étant le nom du créateur du monde, celui qui a créé le monde selon la nature. Or, ce qu'Abraham a voulu admettre, c'est que la nature pouvait être bouleversée. L'ordre de la nature pouvait être changé. Et ça, ça a été pour Abraham quelque chose de révolutionnaire. C'est-à-dire que le contenu de la promesse, c'est qu'Abraham, qui est déjà avancé en âge, dont sa femme est stérile, lui-même probablement également stérile, aura une descendance. Eh bien, ça, c'est contre les lois de la nature. Quelqu'un qui croit dans le créateur de la nature, qui croit en Elohim, admettre le miracle est pour lui un blasphème. C'est-à-dire, se dire que l'état du monde pourrait changer, c'est blasphématoire. Comment ? Le bon Dieu, il a créé, il n'a pas prévu tout. Il a besoin de se promener avec des outils, un tournevis, pour réparer la machine du monde si quelque chose ne va pas. Et donc, il a fallu un effort particulier de la part d'Abraham, une transformation de son être, pour entendre derrière le discours d'Elohim, entendre Hachem, celui qui transforme la nature. Et donc, cette transformation est équivalente à un acte. C'est comme s'il s'était transformé par une opération psychochirurgicale. Et il a bien voulu entendre Hachem. Les chassidim avaient l'habitude de dire que quand Dieu a dit à Avraham, va-t'en, Vayomer Hachem et Avraham lech lecha, en fait, il l'a dit au monde entier, mais il y en a un seulement qui a bien voulu entendre. C'était Avraham. Eh bien, on peut dire que c'est ça le mérite d'Avraham, d'avoir pu entendre cette parole, cette capacité de transformer l'histoire. Et à partir du moment où Abraham est prêt à admettre le miracle, à admettre une providence qui se mêle de l'histoire, eh bien, il a un mérite immense, parce que c'est comme ça que l'histoire va véritablement se transformer. Maintenant que je vous ai donc prouvé par A plus B que Rashi avait raison, nous allons prouver que Ramban avait quand même raison. Parce que c'est un grand principe de la tradition que jamais un maître n'a raison contre l'autre. Il a raison par lui-même. Et donc, pourquoi est-ce que le Ramban a raison ? Alors reprenons l'interprétation du Ramban. Le Ramban nous dit tout simplement que Abraham a considéré que la promesse qui lui était faite de donner une terre à sa descendance n'était pas méritée, que c'est une charité. Si on réfléchit profondément à ce que ça veut dire, c'est une critique d'Abraham contre la promesse. Il dit, comment est-ce que tu peux me donner un cadeau qui n'est pas mérité ? Il y a une objection morale. Si je ne mérite pas, ne donne pas. Et pourtant, tu donnes. Et pourquoi est-ce que la terre ne veut pas être quelque chose de mérité ? Parce que l'enracinement dans la terre, c'est dangereux. Vous savez ce qui est arrivé aux Cananéens à cause de l'enracinement dans la terre ? Eh bien, à cause de l'enracinement dans la terre, les Cananéens sont devenus corrompus, comme toutes les civilisations
qui s'enracine dans le sol. Ça devient du fascisme, du pétainisme, des trucs de ce genre. Et donc Avraham n'a pas du tout envie de passer par là. Il dit enfin, il faut mériter une chose pareille. Et le bon Dieu lui répond, mais tu sais, il n'y a pas de problème. Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur Kasdim, tu es passé par la fournaise. Quelqu'un qui est passé par la fournaise, il surmonte la nature, tu n'as rien à craindre, donc tu mérites. Avraham dit, bon, c'est très bien pour moi, mais et ma descendance, ils ne sont pas passés par Ur Kasdim, eux. Réponse du bon Dieu, ben, qu'à cela ne tienne, on va leur faire un Ur Kasdim collectif, ça sera l'Égypte, ça va marcher. D'accord ? Ta descendance passera par là. Donc ils vont beaucoup souffrir, mais ça vaut la peine, parce que comme ça, ils pourront réaliser le projet de l'enracinement dans la terre. Donc en fait, le Ramban a raison. D'accord ? Est-ce que Rashi a tort alors ? Non, non, certainement pas. On a appris déjà que quand il y a une controverse entre les rabbins, surtout de ce niveau-là, ce n'est pas que l'un a raison et l'autre a tort, les deux ont raison, chacun pour lui-même. D'accord ? Donc je reviens maintenant... Donc ça, c'était pour le concept de foi d'Abraham. La foi d'Abraham n'est pas la foi en Dieu. Vous savez, c'est un terme moderne, croire en Dieu. Vous croyez en Dieu, vous, ou pas ? Ou bien, qu'est-ce que vous admettez ? La théorie kantienne, quantique, pardon, ou bien la théorie de la relativité ? Qu'est-ce qui vous semble le mieux, hein ? Répond le vendeur de tomates entre deux clients. Et donc, ça s'appelle de l'opinion. D'accord ? Et parfois, on fait de ces croyances des opinions, disait Manitou en paraphrasant Rabbi Saadia Gaon. Mais Avraham ne croit pas en Dieu. Il croit à Dieu. Il croit ce que Dieu lui dit. C'est pas du tout la même chose. Il lui fait confiance. Or, faire confiance à Dieu n'est pas une chose facile du tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce que, comme disait Manitou, quand un homme fait une promesse, il doit l'accomplir. C'est normal. Tu as promis, eh bien fais ce que tu as promis. Mais quand c'est Dieu qui fait une promesse, ce n'est pas du tout évident qu'il va l'accomplir. Ah bon ? C'est normal qu'il ne l'accomplisse pas. Parce qu'il dira, moi j'ai promis à quelqu'un, en l'occurrence Israël. Toi qui demandes l'accomplissement de la promesse, est-ce que tu es digne de ce nom d'Israël à qui j'ai fait la promesse ? Est-ce que tu es véritablement cet Israël ? Qui mérite cela. Et donc, et comme le monde est un monde de changement, comme dit le Maharal de Prague, Olam Azé Olam Hashinoui, notre monde, c'est le monde du changement. Alors, il est évident qu'entre le moment de la promesse et le moment de l'accomplissement, il y a une transformation du récepteur. Et donc, il est tout à fait normal que la promesse ne soit pas accomplie. Donc, le fait qu'une promesse de Dieu est accomplie, c'est pratiquement un miracle. Et pourtant, Avraham a confiance dans le fait que la promesse sera accomplie. Pourquoi donc ? Parce qu'il sait, et là, ce n'est pas sympathique du tout ce que je vais vous dire, il sait que les événements de l'histoire vont nous obliger à être Israël. Être obligé d'être soi-même, c'est très dur. Parfois, on se dit, bon, on aimerait bien s'en débarrasser de tout ça. Eh bien non, voilà, les événements de l'histoire sont là pour nous obliger à être ce que nous sommes. C'est parfois agréable et c'est très souvent désagréable. Alors vous avez dit, alors les juifs sont des fous, pourquoi est-ce que les juifs ont choisi d'être juifs ? Et tout simplement parce qu'ils sont des idéalistes. Mais se pose la question, est-ce que c'est rentable d'être idéaliste ? La réponse est qu'un idéaliste ne se pose pas la question. Et effectivement, c'est ce que dit le roi David dans le livre de Tehilim, « Lolanu Hashem, Lolanu, ce n'est pas pour nous que tu vas agir, c'est en faveur de ton grand nom. Et qu'il est Shimcha Ten Kavod, donne la gloire à ton nom. Simplement, petite remarque que je vais tout de suite éviter, j'ai dit qu'on a choisi d'être juif, vous allez me dire, mais non, ce n'est pas vrai du tout, on n'a pas choisi. C'est pas vrai, on a choisi. On a choisi, mais avant la naissance. C'est-à-dire, quand nous étions encore à l'état d'émanation de la volonté divine, nous avons décidé de descendre dans ce monde sous la forme de juifs. On aurait très bien pu choisir autrement, et on a choisi comme ça. Et d'ailleurs, il est surprenant de voir que la majorité des hommes ont choisi d'être goy, ce qui prouve que c'est probablement plus rentable. Bon, ça c'est donc le premier point que je voulais soulever, donc la notion de foi chez Avraham. Qu'est-ce que ça signifie, la foi ? Vous voyez que c'est quelque chose qui est ancré dans l'histoire. Ça n'a rien à voir avec une pensée métaphysique, le fait d'admettre un dogme.
et d'être fidèle à ce dogme pour mériter la salvation, un truc de ce genre. Ça, c'est donc le premier point. Je voudrais en soulever encore deux. Donc, si vous avez une interro sur ce que je dis aujourd'hui, rappelez-vous qu'il y a trois points. Le premier point, donc, c'est la nature de la foi. La foi est une foi historique. Nous allons passer maintenant au deuxième point. Qu'est-ce que c'est que d'avoir une foi ? Qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi dans un avenir ? Parce que quand on parle de foi chez Abraham, c'est la foi de l'avenir, l'accomplissement des promesses, comme c'est écrit dans le titre. Il y a dans le livre de Shemot, quand Dieu parle à Moshe, Moshe se plaint que la sortie d'Égypte ne fonctionne pas. J'ai été voir le Pharaon, au lieu de qu'il libère Israël, il les fait souffrir encore plus. Qu'est-ce que ces histoires ? Pourquoi est-ce que tu m'as envoyé ? Et Dieu dit à Moshe, écoute, un peu de patience. Moi, quand j'ai parlé avec les Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'ont pas eu des arguments de ce genre, ils n'ont pas eu des récriminations comme toi. Et le texte de la Torah nous dit, Vaera el Avraham el Yitzhak vel Yaakov bel Shaddai, je suis apparu à Avraham, Yitzhak et Yaakov en tant que El Shaddai. Ushmi Hashem monodarti lahem, mais moi, dont le nom est Hashem, je n'ai pas été connu d'eux. Et donc je reprends le texte très rapidement, Vaera, je suis apparu, El Avraham, El Yitzhak, Vel Yaakov. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je suppose que tout lecteur, même inattentif de la Torah, sait qui sont Abraham, Isaac et Jacob. Qui sont-ils au fait ? Vous savez peut-être ? J'interroge le public. Qui sont Abraham, Isaac et Jacob ? Oui ? Les patriarches, exactement, les avotes, n'est-ce pas ? Et Rashi dit, Rashi qui est très profond, dit « Va'era, je suis apparu », Rashi commente « El ha'avot », je suis apparu au patriarche. C'est-à-dire que Rashi avait probablement de l'encre en trop ce jour-là, il se dit « Qu'est-ce que je vais écrire ? Je dois écrire un commentaire sur la Torah. » Et si il a écrit « Va'era », il faut bien que je commente. Et Rashi a commenté « Va'era, je suis apparu », à qui ? Au ha'avot. Mais c'est écrit en toutes lettres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, nous savons qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov sont les ha'avot. Grand principe de Manitou, quand Rashi dit quelque chose de banal, c'est que c'est quelque chose de très profond. Là, c'est super banal, donc c'est super profond. Et pour répondre à ce problème, il faut simplement se poser une question clé quand on étudie Rashi, de savoir quelle était la difficulté que Rashi voulait régler, voulait surmonter. On dit en hébreu « makaché le Rashi ». Qu'est-ce qui est difficile pour Rashi dans ce texte ? Là, c'est très simple. Ce qui est difficile pour Rashi, c'est le mot « va'era ». Je suis apparu. Le mot « va'era », je suis apparu, est contradictoire d'un autre verset bien connu de la Torah, « Lo yirani ha'adam vachai », un homme ne peut pas me voir de son vivant. Or, Abraham, Yitzhak et Yaakov étaient vivants, et il est dit qu'ils ont été vus, que Dieu a été vu par eux. Donc, ça ne tient pas la route. C'est ça le problème de « va'era ». Est-ce que je suis bien clair ? J'espère. Si ce n'est pas clair, il faut le dire tout de suite, parce qu'il n'y a aucun espoir que ce sera plus clair par la suite. Tout ce qu'on va étudier va être de plus en plus compliqué. Bon, donc, puisque vous n'avez pas réagi, c'est donc soit vous avez renoncé. Oui ? Vous voudrez que je revienne là-dessus ? C'est très simple. Rashi, le verset dit « Je suis apparu à Avraham, Yitzhak et Yaakov ». Nous savons, par connaissance générale, que sont les avotes, que sont les patriarches. Or, Rashi nous dit, Vaera, je suis apparu, à qui ? Au Avot, au patriarche. Mais c'est écrit dans le texte, on le savait. Donc si Rashi a dit quelque chose d'évident, c'est que Rashi cache quelque chose. C'est donc que Rashi avait une difficulté. Quelle est la difficulté que Rashi doit surmonter ? C'est que je suis apparu au, et contradictoire d'un autre verset de la Torah qui dit, je ne peux pas apparaître. Loir ani a Adam vachai, l'homme ne peut pas me voir de son vivant. N'est-ce pas ? Donc comment est-ce que Dieu dit qu'il a été vu alors qu'on ne peut pas le voir ? C'est ça le problème. Et Rashi, comment ? Oui, bien sûr. Moshe a demandé à voir la gloire et Dieu lui a dit non, tu attends, après ta mort, mais pas maintenant. Et donc, comment est-ce qu'il a pu apparaître aux avotes ? C'est ça la question que pose Rashi. Et la réponse que donne Rashi, c'est parce que c'était des avotes. Comme ils étaient des avotes, comme ils étaient des patriarches, ils ont pu dominer ce problème. Comment ? Il faut savoir qu'est-ce qu'on entend par des avotes. C'est quoi cette identité du patriarche ? L'identité du patriarche, c'est celui qui accepte d'être patriarche. C'est ce qu'on appelle le zéhout avot, le mérite d'être un des avotes. C'est quoi accepter d'être patriarche ?
c'est accepter de vivre pour une promesse qui ne sera pas vécue par moi, qui sera vécue par mes enfants. J'accepte donc d'être en dehors du coup. Il y a en fait deux manières d'être Israël, soit d'être les pères, soit d'être les fils. Le père, c'est celui qui vit la promesse, et le fils, c'est celui qui vit l'accomplissement. À qui la Torah est-elle donnée? La Torah est-elle donnée au père ou au fils? Dans la Torah, il est dit « Daber el bene Israël », parle aux enfants d'Israël. Ça veut donc dire que le sujet, l'identité humaine à qui est adressée la parole du Créateur, c'est l'identité de celui qui a accompli. Et donc, si on va jusqu'au bout de ça, ça veut dire que celui qui vit la promesse ne vit pas vraiment. Ce n'est pas une vie, comme on dit en français. Ce n'est pas une vie d'être ave. Nous, par contre, les fils, pour eux, c'est vraiment une vie. Et donc, ça explique. S'ils n'ont pas vécu, donc, véritablement, ils n'ont pas leur existence n'a pas été une vie comme une vie doit être. Donc, le problème de « Lo irani ha'adam vachai » là, il faut lire en hébreu. « L'homme ne veut pas me voir quand il vit. » Le problème ne se pose pas pour eux, puisqu'ils n'étaient pas vivants. Oui, donc ils ont pu voir. C'est-à-dire, il y a une grandeur du mérite de celui qui veut bien être parmi les avotes, parce qu'il sait que ça ne sera pas accompli par lui. Il se sacrifie en étant patriarche. Et donc, ça veut dire qu'il y... Et donc, le problème de l'Oirani Amadam Vachai est réglé, puisque c'était des avotes. C'est pour ça que Rashi a expliqué, « Vaïra, je suis apparu aux avotes ». En fait, il y a donc dans l'histoire d'Israël plusieurs fois des générations qui ont vécu comme avotes et des générations qui ont vécu comme fils. Les générations qui ont vécu comme avotes, c'était à chaque fois qu'il y a des générations d'exil. Par exemple, nos ancêtres qui attendaient la sortie d'Égypte, c'était des avotes. Nos ancêtres qui sont entrés en terre d'Israël du temps de Yehoshua, de Josué, c'était des fils. De même, lorsqu'il y a eu l'exil de Babylone, à nouveau l'identité avote est apparue. Lors du retour du temps de Ezra, eh bien, il y a eu à nouveau des fils. De même, pendant presque 2000 ans d'histoire d'exil que nous avons vécu la foi d'Israël en tant que avotes, à la manière des avotes, et nous avons donc ressemblé à nos ancêtres, et maintenant nous sommes au temps de l'accomplissement, nous sommes à nouveau redevenus des fils. C'est-à-dire qu'être père ou fils est fonction du moment de l'histoire dans lequel on se trouve. Et quand le bon Dieu donne des promesses, eh bien la Torah l'appelle El Shaddai, le Dieu des engendrements. Pour ça que dans la révélation à Yaakov, il est dit « Ani El Shaddai Pere Urve », je suis le Dieu El Shaddai, on traduit en français tout-puissant, eh bien crois et multiplie-toi. C'est-à-dire la fécondité des avotes, c'est là que Dieu se révèle comme El Shaddai. Et donc, si je reprends le verset dans le livre de Shemot, Vaera el Abraham el Yitzhak vel Yaakov bel Shaddai. Je suis apparu à Abraham, Yitzhak et Yaakov en tant que El Shaddai, en tant que Dieu de la promesse. Ushmi, mais en vérité mon nom, Hachem, c'est Hachem. Ça veut dire quoi Hachem? Celui qui accomplit ses promesses, c'est ce que dit Rashi là-bas. Et donc la conclusion c'est l'onodarti lahem, je n'ai pas été connu d'eux. C'est intéressant parce que ça répond à une question de la critique biblique. Comment est-ce que Dieu peut dire à Moshe, je n'ai pas été connu comme Yudke Vavke, alors que dans le livre de Bereshit, plusieurs fois, Dieu apparaît au Avot en tant que Yudke Vavke, en tant que tétragramme? Eh bien, la réponse, c'est que ce n'est pas l'information, ce n'est pas la connaissance du nom dont il est question ici, c'est connaître dans le sens du vécu. Et les ancêtres, dit Akadosh Baruch Hu à Moshe, ne m'ont pas connu dans leur vécu. Ils m'ont connu comme El Shaddai, ils ne m'ont pas connu comme Yudke Vavke, puisqu'ils n'ont pas vécu l'accomplissement de la promesse. Alors, vous comprenez que quand on est dans l'identité des avotes, on a une foi énorme, une foi démesurée. D'ailleurs, on peut se demander, la foi d'Israël pendant le temps de l'exil a été totalement incompréhensible. C'est-à-dire, quand on voit ça rétroactivement, on se dit comment nos ancêtres, il y a 1000 ans, dans le tunnel le plus noir du monde, entourés dans les ghettos, des pogroms de toutes sortes, et il disait, oui, un jour, on reviendra. C'est de la folie. C'est à mettre en hôpital psychiatrique, un truc pareil. Et ben non, ils ont cru. Ils ont bien voulu croire. Et puis nous, on est au moment de l'accomplissement. Et alors on se dit, oh là là, c'est pas bien sûr. Mais c'est normal. Parce que quand on est loin de la réalisation d'un projet,
Alors, le projet devient un rêve. Et un rêve, c'est toujours merveilleux. Et puis, quand on est au moment de la réalisation, bon, alors là, oh là là, il y a les difficultés. On veut voir des résultats. Manitou avait l'habitude de prendre pour ça l'exemple d'une femme enceinte. On dit, vous savez, cette femme est enceinte. C'est extraordinaire. Alors, vous allez avoir un enfant? Oui, je vais avoir un enfant. C'est très beau, un enfant. C'est tellement mignon. Et puis, arrive le moment de la naissance. Et alors, il y a des cris, du sang, des douleurs, un évanouissement peut-être. Et alors, on est surpris, on dit, c'est ça qu'on attendait? Un peu de patience. Un peu de patience, et on voit que ça marche. Ah, finalement, il est tellement mignon, il ressemble à sa grande tante. Regardez, non, il a le nez de son cousin. Mais il y a le moment de la crise. La crise de foi, c'est presque un jeu de mots tentant, mais on ne va pas le faire parce que c'est trop simple. Et donc, il y a dans les prières une bénédiction que l'on dit après la lecture du schéma le matin et qu'on dit après la lecture du schéma le soir. Les deux se finissent par les mots Gaal Israël, sauveur d'Israël, libérateur d'Israël. Mais ça commence par le mot Emet, Emet, vérité. Le deuxième mot est plus compliqué. Le soir, on dit « Emet ve emuna », vérité et foi ou fidélité. Et c'est très simple. Quand on est dans la nuit, alors il n'y a rien dans la réalité visible qui nous permet de voir l'accomplissement, donc on est plein de foi. « Emet ve emuna », il est facile d'avoir la foi quand on est loin du temps de la réalisation. Mais le matin, c'est le moment où les choses doivent se réaliser. C'est là qu'on veut voir. Alors on dit « emet ve'yatziv ». Le mot « yatziv », c'est un mot araméen qui veut dire « vrai ». C'est vrai et ça doit être vrai. On veut des résultats sur le terrain. Et donc, comme il y a un ralentissement de la Géoula, alors c'est là qu'intervient la difficulté à tenir la foi. C'est pour ça que la génération qui accomplit la promesse, la réalisation donc du sionisme politique, eh bien cette génération n'a plus la foi. Parce que ce n'est pas le moment d'avoir la foi, c'est le moment de réaliser. D'accord ? C'est un peu comme l'enseignement de Manitou à propos de la soirée des sages de Bnei Brak dans la Haggadah de Pessah. Ces sages de Bnei Brak qui discutaient toute la nuit de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire comment on sort de l'exil. Mais au moment où la nuit s'achève, alors les élèves leur disent « Oui, mais il faut faire quelque chose maintenant, il faut dire le schéma du matin. » C'est-à-dire, quand arrive l'aube, ben c'est le moment de la Géoula, et ça vient des élèves et pas des maîtres. Phénomène surprenant, c'est que le temps du retour se fait par l'initiative des élèves, par l'initiative donc du peuple. Ça, c'est donc le deuxième point que je voulais mettre en évidence. Donc je reprends très rapidement. Le premier point à propos de la foi d'Abraham, c'est que la foi, c'est une foi ancrée dans l'histoire et qui exceptionnellement a une valeur d'acte quand il s'agit d'Abraham. La deuxième, c'est qu'avoir la foi, c'est une forme de sacrifice, c'est accepter de ne pas être celui qui va accomplir. Et le troisième élément, c'est celui avec lequel je voudrais clore cette courte intervention, c'est de savoir à quoi ça sert la foi d'Abraham. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui a la foi? Eh bien, il y a dans le texte dans lequel Dieu s'adresse à Abraham, lorsqu'il les lit, il lui dit... Veesra le goy gadol, je ferai de toi une grande nation. Et le texte talmudique nous dit, ça veut dire quoi, je ferai de toi une grande nation? C'est qu'on dira dans la prière, Elohe Abraham, Dieu d'Abraham. Et la Gemara nous dit qu'Abraham était tout content quand il a entendu ça. Comment? Dieu sera appelé de mon nom, Dieu d'Abraham. Et puis après, il rajoute, Vabarchecha, et je te bénirai. Et ça veut dire qu'on dira « Dieu d'Itsrak ». Abraham a commencé à faire la grimace. Comment? Il y en a encore un? Et après qu'on dit « Vagadela Shemecha »,« J'agrandirai ta renommée », alors c'est qu'on dit « Dieu de Jacob ». Alors là, vraiment, il a fait la tête. C'est assez surprenant. On a l'habitude de dire qu'un père est content de la réussite de ses enfants. Et là, Dieu d'Abraham, j'étais tout content, mais maintenant, il y en a encore d'autres, de quoi il se mêle? Et alors, à la fin, on dit « Veheye beracha » et tu seras bénédiction. Et c'est pour ça qu'on finit la bénédiction par toi. On dit « Magen Abraham », protecteur d'Abraham. Et Abraham était à nouveau tout content.
Donc, jalousie d'Abraham, qu'est-ce que c'est ces histoires, on veut pas, on m'a pris ma place. Non, non, t'en fais pas, à la fin, c'est toi qui gagnes. Bon, c'est ridicule. En fait, c'est qu'il y a opposition entre le projet d'Abraham et le projet, disons, apparent d'Yitzhak et Yaakov. Le projet d'Abraham, à l'origine, est un projet cosmopolite. Vous savez ce que pensait Benito du cosmopolitisme. C'est l'épreuve d'Abraham, c'est de surmonter le cosmopolitisme pour devenir universel. Et quand Abraham entend Dieu d'Abraham, il est tout content parce qu'il comprend que l'idéal qu'il représente sera réalisé un jour. Mais quand il entend Dieu d'Yitzhak et Dieu de Yaakov, il y a ici une restriction du champ humain vers le national. Et ça, ça l'embête beaucoup. Ça l'embête pour des raisons idéales. Il se dit, mais enfin, c'est quoi ce particularisme qui va tout gâcher? On va penser au Dieu d'Yitzhak et encore plus au Dieu de Yaakov, on va oublier le Dieu d'Abraham. Et Dieu lui dit, non, non, par toi on achève. Becha hotmim, c'est par toi que l'on clôt la chose, que l'on scelle la chose. Ce qui veut dire que c'est grâce au particularisme national d'Yitzhak et d'Yaakov que peut se réaliser le projet universel d'Abraham. C'est ça la foi d'Abraham, et c'est ça qu'il a dû accepter. Toute l'histoire de l'épisode de la Hakeda, dans lequel il y a le ligotage d'Yitzhak, c'est l'apprentissage d'Abraham qu'il doit reconnaître Yitzhak comme son fils. Il y a un texte absolument surprenant dans la Hakeda, qui est que Yitzhak s'adresse à son père. Vayomer Yitzhak el Avraham aviv, Vayomer avi. Yitzhak s'adressa à Abraham son père et lui dit, mon père. Lourdeur du texte. Pourquoi avoir besoin de dire que Yitzhak a dit à son père, mon père? Ça veut dire qu'en fait, Yitzhak a fait un effort ce jour-là. Il a accepté qu'Abraham soit son père. Ce n'est pas évident. Quand on est injuste de la rigueur, accepter un père qui est injuste de la grâce, de la générosité, c'est difficile. Mais il a accepté. Il est prêt à s'inféoder en tant que midatadine, en tant que rigueur, il est prêt à s'inféoder à la grâce d'Abraham. Et alors, Abraham lui répond d'une manière très surprenante. Vayomer, il lui dit, Ineni, béni, me voici, mon fils. Et c'est la première fois dans le texte de la Torah qu'Abraham appelle Yitzhak son fils. Il l'a reconnu comme étant son fils. À partir de ce moment-là, on comprend la suite du verset. Vayelchou, Shenehem, Yardav, ils allèrent ensemble. En fait, on peut dire que le projet de la Hakeda a déjà été réalisé à ce moment-là. Ce n'était même pas nécessaire d'arriver jusqu'à l'autel. C'était très clair qu'il y avait maintenant unité des valeurs. Mais vous comprenez que ça demande un travail pédagogique. On trouve souvent, d'ailleurs, la difficulté qu'ont les parents d'admettre le changement de la continuité, disent les politiciens. C'est-à-dire d'accepter que ce que je représente sera réalisé, mais d'une manière différente, par l'intervention d'une autre identité chez mes enfants. Mais une fois que c'est accepté, eh bien, ça réussit. C'est là que ça marche. Et effectivement, c'est ce que dit Akadosh Baruch Hu à Abraham à la fin de la Hakeda, puisque tu as accepté ça, eh bien maintenant, ta descendance va réussir. Voilà, c'est donc le troisième point que je voulais mettre en évidence, c'est que la foi d'Abraham a également un aboutissement dans l'histoire. Cet aboutissement, c'est l'unité des valeurs qui se réalise dans la collaboration des différentes manières d'être fils. Et on peut dire que c'est un des enjeux que nous voyons aujourd'hui au sein de la société d'Israël, en particulier de la société israélienne, mais de la société du peuple juif dans son ensemble, c'est la capacité d'admettre que celui qui m'est opposé remplit un rôle dans le projet collectif. Et c'est très difficile, on risque de glisser là-dedans, disons, dans ce qu'on appelle la reconnaissance de l'autre, c'est d'admettre la sensibilité de l'autre, la subjectivité de l'autre, très grave. Mais sans adopter la subjectivité de l'adversaire, il y a quand même la reconnaissance du fait que l'adversaire idéologique ou social ou sociologique remplit un rôle dans le projet qui nous touche tous. Et ça, ça fait partie évidemment aussi de la foi d'Abraham. Ce sont donc les trois points que je voulais mettre en évidence. J'espère avoir été assez clair. Si c'est nécessaire, je peux donner des précisions. Merci beaucoup. C'était évidemment très clair, mais peut-être qu'il y a quand même besoin de certaines précisions. Avant que le Rav Cherki ne reparte, prenne son avion. Oui, Madame Cohen, vous parlez un peu fort. Même,
bien sûr. Vous reprenez ici la phrase du prophète Zecharia, qui dit, Malachi, qui dit « Ve'eshiv levavot albanim »« Ve'lev banim alavotam » Il faut ramener le cœur. Ah non, d'Afka, c'est le contraire. Là. Ben oui, ben, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, voilà. Oui, d'accord. Ça me... Mais justement, la question est quand même de savoir, cette reconnaissance, est-ce qu'elle doit démarrer par le fils? Oui, mais dans ce cas précis, oui. Pour une raison mais très pas simple, forcément. C'est que Yitzhak représente la Midat Hadin. Et ça, c'est tout un problème. De savoir, qu'est-ce que la Torah veut de nous? Est-ce que la Torah veut de nous la récompense, ou est-ce que la Torah veut de nous le châtiment? On pourrait dire, puisque la Torah est une loi, la loi est impersonnelle, elle s'en fiche pas mal, la loi, de savoir si on l'a respectée ou si on ne l'a pas respectée. Si on a respecté la loi, on est récompensé, si on l'a transgressée, on est puni. Donc c'est indifférent. On pourrait se dire, la Torah, ça lui est égal qu'on soit puni ou récompensé, l'essentiel c'est que ce soit fait. Donc il y aurait ici une équivalence de la Midat Hadin et de la Midat Hesed. Or, le vrai visage de la Torah, c'est le visage de la Midat Hesed, c'est-à-dire Dieu ne veut pas punir. La punition est nécessaire parfois, mais elle n'est pas le but. Et c'est la raison pour laquelle il faut que celui qui représente la Midat Hadin accepte d'être inféodé à la Midat Hesed. Et ça, effectivement, c'est pas toujours évident. Vous connaissez ce Midrash qui raconte que quand Moshe est parti et monté recevoir la Torah, les anges se sont opposés. Ils ont voulu brûler Moshe. Et le Midrash nous dit que Dieu a donné un masque à Moshe. Il lui a transformé son visage, il lui a donné le visage d'Abraham. Et alors Dieu dit aux anges, vous avez mangé chez lui à midi et maintenant vous lui faites des problèmes. Alors ils se sont calmés, ils lui ont donné des cadeaux, ils ont accepté que la Torah lui soit donnée, etc. Manitou expliquait, ça veut dire que pour que la Torah soit donnée aux hommes, il faut qu'elle ait le visage d'Abraham. Il faut qu'elle ait le visage de la Midat Hesed. Merci. D'autres points éventuellement? Oui, allez-y. Monsieur. Assez fort, s'il vous plaît. Levez-vous parce qu'il y a les gens jusqu'au bout là. Si vous vous levez, parlez un peu plus fort. Je vais parler fort. Bon. Vous avez parlé des Avot. Oui. Par rapport à leur position dans le cadre de l'histoire. Oui. Les Avot sont ceux qui reçoivent la promesse, qui ne l'avouent pas, et que ce sont les fils qui vont l'accomplir. Oui. Quelle est la position des Imarot par rapport à cette articulation de la promesse et de l'accomplissement? Les Imarot, ce sont les sœurs des Avot. On voit qu'Abraham insiste pour appeler sa femme ma sœur. Yitzhak appelle sa femme ma sœur. Et ça veut dire quoi être la sœur de quelqu'un? Hein? Rachel et Léa sont des sœurs également. Yaakov dit à Rachel, la première chose qu'il lui dit, « Achi Aviahu », il est le frère de son père. C'est-à-dire qu'il insiste sur l'aspect de fraternité. D'ailleurs, quand Yaakov arrive chez Haran, il dit au berger, « Vous êtes mes frères, Achai ». Et donc, il y a... Les Imaot sont des sœurs. C'est quoi être la sœur de quelqu'un? En hébreu, le mot « Ach » et « Achot », ça vient du mot « Ichouy », qui veut dire l'unification. Et ça veut dire qu'en fait, Sarah est un appel d'Abraham à se compléter. Si Abraham a une tendance à la Midat Hesed, il faut que sa femme soit du côté de la Midat Hadin. Et inversement, vous pouvez voir ses complétions également chez les autres Avot. Bien. Alors... essayez d'être un peu plus féministe, Rav Cherki. J'ai pas très bien compris. Non, celle qui agit dans l'histoire d'Abraham et Sarah, c'est Sarah qui est active. Pas besoin des féministes pour ça. Hein, vous savez. C'est Rivka qui se mêle de tout, et c'est par elle que ça se passe. Entre Rachel et Léa, il y a des accords qui vont permettre à Yaakov, finalement, de fonder la famille avec deux matriarches. Vous comprenez qu'en fait, ce sont plutôt les Avot qui sont des passifs dans cette histoire. Si vous voulez. C'est bon. Voilà. C'est elle qui habille Jacob. Mais nous sommes tout à fait d'accord. Nous avons lu, je crois, la même Bible. Tout à fait d'accord. J'ai peut-être une question sur le... Vous dites que... Une dame qui voudrait... Pardon.
Oui, pardon, excusez-moi. Non, 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 je vous en prie, je reposerai après. Il a une ouverture, donc elle est antérieure. C'est-à-dire, il y a une ouverture d'Abraham. Vous connaissez la manière dont le Midrash raconte la manière dont Abraham a découvert l'existence de Dieu. Alors, la manière dont Abraham a découvert l'existence de Dieu est assez surprenante. Bon, alors il s'interroge si la divinité ne serait pas le soleil, la lune, les nuages, le vent, etc. Et finalement, il arrive à quelle conclusion? Alors, on a l'habitude de dire qu'il est arrivé à la conclusion qu'il y a un Dieu qui a créé le monde. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce que dit le Midrash. Le Midrash dit qu'Abraham est resté dans la perplexité, très embêté, navor, dit le texte. Il était dans la perplexité. Et il s'est dit peut-être que ce château n'a pas de maître. Et le maître du château lui a dit, mais c'est moi qui suis là. C'est-à-dire, il y a eu un vide dans son être qui a permis la révélation. Et ce vide, c'est l'ouverture. C'est ça, c'est l'insatisfaction de l'état du monde. D'autres questions? Juste, j'avais un... Puisqu'on a compris que vous faisiez toujours une allusion à la situation actuelle en parlant des pères et des fils, que nous sommes aujourd'hui, en Israël en tout cas, dans la réalisation de la promesse, donc plutôt sur le côté fils, le versant fils. Oui. Et pourtant, vous avez dit que le fils devait rentrer dans la midat du père, du chesed. Alors, quel est le père aujourd'hui? Est-ce que le père... Oui, n'est plus, il se transforme en fils. Le père, je vais vous dire, c'est la reconnaissance de la dette qu'a l'Israélien envers le juif. Et c'est une dette qui a été très longtemps niée par le Ben-Gourionisme, par exemple, qui parlait de l'édification d'un nouvel Israélien en oubliant sa tradition. En termes de la tradition, ça voudrait dire qu'Israël a oublié Yaakov. Et aujourd'hui, il est tout à fait clair dans la société israélienne qu'un ressourcement est nécessaire, que ce ressourcement passe entre autres par la connaissance de l'héritage des pères. Alors, parfois, les représentants des pères sont tout contents, ils se disent « enfin, Israël va devenir religieux ». Bon, c'est une compréhension un peu réductionniste du phénomène. Mais le fait qu'on sent dans la société israélienne qu'une alimentation aux sources, je ne dirais pas un retour aux sources, mais une alimentation à la source est nécessaire pour permettre d'évoluer vers l'avenir. Merci beaucoup. Est-ce que on en reste là? On va vous libérer. Je ne sais pas si vous... Je crois qu'il est déjà à 19h pratiquement. Non, il est 19h et 2 minutes. Voilà. Et donc... Ça, c'est bon. Non, je fais tout mon possible pour rester calme, bien que j'ai un avion. Et donc, voilà, et on va vous laisser 30, hein, oui, c'est... on va vous laisser partir pour voilà. Merci beaucoup. Trop de... Merci voilà. Beaucoup. Une petite seconde, je tiens quand même, ça va de soi, mais ça va toujours mieux en le disant, remercier Olivier Cohen pour son initiative qui permet justement de nous revivifier à la source de Manitou, et également à mes collaborateurs, Antoine en particulier, qui ont fait un travail remarquable, y compris également l'aspect technique qui est très bien pris en charge. Merci beaucoup d'avoir oublié personne. On vous souhaite un bon retour. Merci.